Bonjour, je suis très content de participer à cette matinée qui est très très riche. Bon, une participation un petit peu originale, mais je pense que je vais essayer de faire mon maximum pour qu'elle soit très riche aussi pour vous. On va aborder en fait un sujet que vous avez déjà dû aborder en partie ce matin, mais de manière plus précise. C'est le sujet de l'open data et du mouvement open data en France et dans le monde. On a intitulé ce témoignage Les données publiques au service de tous. L'idée, c'est de revenir en fait avec vous sur le retour d'expérience de la ville de Paris sur sa démarche open data et de vous montrer en quoi vraiment la démarche open data est simple à réaliser. Ce qui est intéressant, c'est que l'open data, comme vous avez peut-être pu le voir ce matin, c'est un des piliers en fait de ce nouveau mouvement d'open innovation, d'open administration et d'open government. C'est une des matières premières qui va servir justement à s'ouvrir vers l'extérieur et à participer ensemble à ce mouvement de co-construction du territoire ou des services publics. Donc on va rapidement évoquer ce que c'est que l'open data, un peu plus précisément. On va un peu parler juridique, mais très rapidement, ne vous inquiétez pas. Et je vais essayer de vous faire partager la méthodologie, notre démarche parisienne et les premiers bilans qu'on en tire pour vous montrer qu'en fait c'est très simple à mettre en œuvre et qu'on peut rapidement, dans vos différents métiers, dans vos différentes structures et entités, mettre en œuvre une politique open data. En plus de ça, beaucoup de collectivités s'engagent maintenant dans cette démarche-là, et il n'est pas intéressant pour des entités qui ne sont pas vraiment porteuses comme une collectivité du mouvement Open Data de se rapprocher de leur collectivité de proximité et de voir avec elles comment elles pourraient contribuer à libérer également des données. On n'est pas obligé de libérer des centaines de jeux de données, une dizaine déjà par entité, c'est déjà beaucoup, surtout si elles sont de qualité. Donc on va voir comment on fait ça tous ensemble. Tout d'abord, revenir un peu sur le concept de l'open data. Hein. C'est un peu un concept entre guillemets philosophique. L'idée qui s'inspire d'open data, c'est l'open source, c'est-à-dire la création de logiciels où chacun vient apporter sa pierre à l'édifice du logiciel. Et comme la source, comme le code source du logiciel est connu de tous, chacun peut venir rentrer dans le code source, le modifier, l'enrichir et le remettre à disposition des autres. L'open data, c'est pareil. C'est en fait publier de la donnée. L'enrichir, la modifier, la transformer, on dit la mâcher quand on la mélange à d'autres données, et remettre ce résultat à l'exploitation de tous. Et donc, ce qui permet à chaque fois un enrichissement étape par étape. Et dans le domaine de l'open data, c'est vrai que les données publiques sont particulièrement visées parce que c'est une donnée qui est, on va dire, souvent de service public, une donnée générale. Et donc c'est un bien commun pour tous, qu'il est intéressant aussi de partager. On va voir après derrière les différents usages qu'on peut en faire. On peut aussi voir des cousinages en fait de concepts avec ce qu'on appelle le web 2.0, le web participatif, bien sûr le collaboratif, tout ce qui est innovation ouverte, open innovation, c'est-à-dire le fait en fait tout simplement de partager quelque chose avec l'extérieur d'une entité, pour que ce quelque chose soit enrichi et que tout le monde soit gagnant finalement de ce partenariat et de cet enrichissement. Sur l'open data, on a des grands exemples, internationaux notamment. C'est Barack Obama hein, qui, quasiment 2 jours après son élection, a lancé des grandes manœuvres sur l'open data américain avec OpenGov. Et on a également l'exemple anglais qui est un bel exemple à suivre en termes de quantité et de qualité de données libérées. Sur le site opendata.gov.uk. Mais en France, on est là aussi, hein, on est bien présent, à côté des grandes villes et des grandes villes du monde, San Francisco, Seattle, New York, Londres. En France, on a déjà Brest, Rennes, Montpellier, très récemment Toulouse, d'autres villes qui Nantes, d'autres villes qui réfléchissent aussi, et bien sûr Paris, dont on va parler, qui n'est pas l'exemple en soi à suivre, qui est un des exemples parmi d'autres. Et qu'on essaie de partager au maximum justement pour qu'il y ait une émulation au sein des entités et des collectivités territoriales françaises. Quelle finalité on peut trouver dans l'open data? Il y en a plein en fait. Et en fait, les plus riches sont souvent celles de l'entité elle-même qui est pour l'entité elle-même qui libère les données. C'est-à-dire que l'entité elle-même, souvent, si un des services de l'entité libère sa donnée, on va s'apercevoir qu'un autre service à côté va pouvoir aussi bénéficier de cette donnée libérée de manière qualitative. Et donc du coup, il va y avoir des meilleurs échanges à l'intérieur même de l'entité, à l'intérieur même de la collectivité.
C'est bien sûr aussi là une façon de manager ces données, parce que souvent les données on les crée au fur et à mesure, on les empile un petit peu, soit dans les services d'information géographique, soit tout simplement sous forme de fichiers Excel, mais on ne sait jamais trop combien on en a. On n'a pas vraiment un catalogue à jour, on ne sait pas trop comment se repérer. Et dans la démarche Open Data, c'est aussi une manière de ranger bien comme il faut toutes ces données et d'avoir du coup une optimisation dans la gestion de ces données. Les organisations privées, bien sûr, qui vont libérer des données, vont pouvoir, encore une fois, partager de la valeur avec leurs partenaires et être gagnant-gagnant dans cet enrichissement de données. Et puis bon, je passe, il y a des scientifiques qui veulent accéder à cette donnée-là pour l'étudier, pour créer du rapport, de l'étude, et pour pouvoir faire avancer globalement les études scientifiques sur le sujet. Les citoyens, bien sûr, parce que l'open data, c'est avant tout la transparence, notamment pour les collectivités territoriales et les entités publiques. C'est la transparence de la manière de gérer et d'avoir des missions pour ces entités-là. Donc les citoyens, du coup, peuvent prendre connaissance de manière assez brute hein, et assez directe à la source, des données nécessaires pour tout simplement prendre en compte les éléments politiques et citoyens. Les journalistes aussi, il y a de beaux exemples en Angleterre et aussi en France de journalistes qui se sont emparés de la donnée et qui ont souvent produit ce qu'on appelle des data visualisations, c'est-à-dire une manière pédagogique en fait de faire comprendre la substantifique moelle de la donnée. Donc il y a tout un mouvement de data journalisme sur les données publiques libérées. Les entreprises, bien sûr, grandes, mais aussi beaucoup les startups, qui vont triturer la donnée, qui vont mélanger les données, qui vont ce qu'on appelle mashuper les données pour créer de nouveaux services, notamment très utiles pour tous les nouveaux services du web mobile. Et puis, bien sûr, les développeurs, les passionnés en fait de développement informatique, qui vont récupérer cette donnée et également la travailler, l'analyser et l'enrichir pour le plus grand nombre. Sur le territoire, on parle aussi beaucoup, du coup, en lien beaucoup avec les entreprises et les startups, de création de valeur, parce que du coup, on crée de la valeur, peut-être même derrière de l'enrichissement, et donc du coup, bien sûr, de l'activité économique. Donc le fait de libérer de la donnée existante, hein, pourrait permettre de créer de nouveaux services, et donc de créer de la valeur, et c'est important d'aller chercher justement la valeur et l'innovation sur les territoires aujourd'hui. L'open data, c'est d'abord des grands principes juridiques, on va y aller rapidement, mais c'est quand même important. On pourrait faire remonter l'open data à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dit tout simplement que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Et après, il y a tout un tas de lois, beaucoup plus récentes, qui sont venues encadrer justement la communication de la donnée publique, la mise à disposition de la donnée publique et la réutilisation de la donnée publique. Donc il y a différentes lois, bien sûr, la loi informatique et liberté en 2003, les différents décrets de 2005, l'ordonnance de 2006 sur Inspire, qui est issue d'une directive européenne, et qui oblige aujourd'hui, donc il y a vraiment une obligation à libérer un certain nombre de données publiques notamment. Au-delà de ce cadre juridique, en fait, il est important, notamment pour les réutilisateurs, que quand on a une démarche open data, on mette un petit cadre supplémentaire qui va permettre aux réutilisateurs d'être sereins sur la manière dont ils peuvent réutiliser la donnée. Et souvent, quand on parle d'open data, on parle de licence associée à l'open data. Et donc c'est important d'aller un peu plus loin que le simple cadre réglementaire, d'être plus précis peut-être dans la mise à disposition et les possibilités de réutilisation de la donnée, en associant en fait la démarche à une licence. Il y en a désormais de quelques-unes qui volent vraiment le coup, qui ont vraiment une valeur open data forte. Etalab en a proposé une au niveau de l'État. Nous en proposons une qui est issue en fait de l'Open Knowledge Foundation, donc un organisme anglais qui a publié l'Open Database License, le DBL. Le DBL, ça dit tout simplement qu'on peut partager, qu'on peut créer, qu'on peut adapter, transformer la donnée. Tant qu'on mentionne la paternité, la source de la donnée, elle vient de qui, de quelle entité l'a produite, et si on veut bien republier la donnée une fois enrichie. Et c'est bien le principe de l'open source, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a profité de la donnée qui a été libérée, qu'on l'a enrichie, on la remet à disposition de la communauté. Donc c'est une des autres licences. La licence aussi de l'État est intéressante parce qu'elle est encore moins contraignante. Il ne faut juste que, pour publier la donnée et la réutiliser, que citer la paternité, citer à qui a produit la donnée. Voilà, j'arrête là pour le cadre juridique parce que c'est important, mais ça fait souvent peur, alors que c'est vraiment un des points qu'il faut aborder rapidement. Mais ensuite, il faut surtout passer dans le concret et c'est assez simple à mettre en œuvre.
Nous, il y a une démarche parisienne qui a été lancée notamment et qui a été beaucoup impulsée par le politique. Elle a mis un an à maturer et puis on s'est décidé à d'abord avoir un vote précis sur le fait qu'on va libérer de la donnée, ensuite sur le choix de la licence justement qui va être utilisée. Et il y a toute une dynamique politique qui s'est mise derrière cette démarche parisienne. Donc c'est important dans les différentes démarches de se faire appuyer, soit par des élus, soit par du haut management, pour que justement la démarche soit bien sponsorisée, qu'elle soit bien identifiée par tous, et que du coup elle ait vraiment cette dynamique derrière pour pouvoir fonctionner, pour que dans tous les services, on sache que c'est quelque chose qui est suivi et qui est accompagné par le management de l'entité. Alors, on va rentrer en concret tout de suite. Comment vous pourriez faire dans votre entité pour libérer de la donnée? Eh bien, en fait, nous, on a utilisé une démarche très très simple. C'est-à-dire qu'en trois temps essentiels, on a d'abord exploré, on a essayé de recenser un peu tous les jeux de données qui étaient disponibles. Ça peut aller, pour l'accueil du public, tout simplement, de faire un fichier de tous les horaires des lieux d'accueil du public. Et on peut libérer tout simplement un fichier qui dit, voilà, tel lieu ouvre à telle heure, referme à telle heure, est ouvert le dimanche ou pas. On peut imaginer aussi pour des données touristiques de libérer certaines données patrimoniales sur l'information sur le patrimoine du territoire. Donc on va explorer des données qu'on a déjà, qu'on n'a pas à reproduire, éventuellement qu'on a un peu à adapter pour les publier proprement, pour les publier soit sous format Excel, soit sous format CSV, soit sous des formats géographiques. Donc on explore, on fait une petite phase d'exploration et on essaye de trouver des jeux de données où il n'y a pas de questions juridiques, il n'y a pas de questions d'anonymisation et qu'en gros c'est simple à sortir tout simplement. On fait ce petit travail juridique, nous on a mis du temps parce qu'il n'y avait pas grand chose qui existait à ce moment-là. Maintenant je pense qu'il y a beaucoup d'exemples à suivre et ce travail juridique peut être rapide à opérer. On peut demander conseil à des communautés, à des associations qui sont très actives sur le sujet et qui sont très porteuses et qui sont tout à fait à même de vous répondre sur certains sujets. Nous, on a travaillé beaucoup avec Veni Vesilibri, avec Regards Citoyens. On les remercie d'ailleurs parce que c'est un travail important qui a été fait avec eux pour nous guider. Et puis après, il faut simplement créer un site web, un site où on va, qu'on appelle le répertoire, le repository, où on va publier la donnée en format brut. Donc c'est un petit site, on n'est pas obligé de faire un grand site magnifique, ça peut être sous forme d'un blog, et on publie un jeu de données chaque fois qu'on le peut. Après la mise en ligne, peut-être qu'il faut un peu plus structurer la démarche, mais déjà, ça, cette première mise en ligne, elle peut être rapide, elle peut être efficace, elle peut être très facile à faire, et donc il ne faut pas hésiter à se lancer dans cette démarche-là, parce que vous avez déjà en fait de la donnée, vous avez déjà des possibilités de libération de données, et vous allez pouvoir participer à ce mouvement-là globalement. Donc aujourd'hui, voilà, nous on a un site, vous verrez, vous pouvez aller le voir, opendata.paris.fr, il est très simple. Alors on a essayé de le rendre un petit peu joli parce que voilà, la direction de la communication avait envie de faire quelque chose de joli, mais au-delà de ça, c'est un site qui est très pratico-pratique. C'est-à-dire qu'on n'y retrouve que des jeux de données publiés. Il n'y a pas beaucoup d'éditorial autour de ça, il n'y a pas beaucoup d'actualité. On a un petit compte Twitter sur lequel on fait de l'actu, on fait de l'information, mais ça ne demande pas plus que ça de créer un site internet dédié à votre open data. Et derrière, il faut simplement essayer que dans la présentation des jeux de données, le public, le grand public, puisse aussi s'y retrouver. Parce que ce n'est pas une démarche de technicien, ce n'est pas une démarche d'informaticien. Il ne faut pas simplement publier le jeu de données brut en fichier Excel qui fait 10 000 lignes et qui est, dans un premier temps, un peu incompréhensible à tout le monde. Il faut savoir bien expliquer ce à quoi fait référence ce jeu de données, éventuellement publier une data visualisation, on en parlait tout à l'heure, sous forme de cartes, sous forme de diagramme, sous forme d'histogramme, pour que le grand public puisse aussi prendre conscience de ce qui est fait par votre entité et votre organisation. Ça peut être fait dans un deuxième temps. Pour être très franc, la data visualisation, l'aspect grand public de la démarche Open Data, nous on l'a fait plutôt dans un deuxième temps. Vous avez aussi d'autres possibilités. Je le disais, les collectivités, Etalab, se sont lancées dans ces démarches-là. Vous avez peut-être autour de vous des entités qui vont pouvoir héberger vos 3, 5, 10 jeux de données pour vous, bien sourcer le fait que ce soit votre entité qui les libère, et donc qui vont vous économiser aussi cet effort de création de site internet.
si votre département, si votre région, si votre commune de rattachement a quelque chose déjà sur les rails autour de l'open data, ne créez pas votre projet à côté pour diviser les forces. Au contraire, essayons de mutualiser les énergies sur cette démarche-là et venez apporter votre pierre à l'édifice de l'open data territorial. Voilà quelques exemples de jeux de données libérés. On a libéré beaucoup de jeux de données géographiques. On est très très inspiré par OpenStreetMap que vous avez entendu juste avant. On voulait essayer de participer au projet OpenStreetMap. Donc on a essayé de libérer le plus de données géographiques possibles sur Paris, même si OpenStreetMap est déjà très complet sur Paris. On voulait faire en sorte de participer. Et donc depuis notre système d'information géographique, on a publié beaucoup de données en format géographique sur Paris, pour les confronter, ne serait-ce que pour les confronter aux informations d'OpenStreetMap et pour enrichir aussi le projet OpenStreetMap. Mais plus globalement, pour d'autres projets géographiques, c'est très utile d'avoir des fonds de cartes sur différents domaines pour différents sujets. On a aussi publié des jeux de données assez simples. Par exemple, un service a beaucoup travaillé sur les arbres remarquables, les arbres anciens, les arbres centenaires à Paris. Ben, en ayant travaillé sur ce sujet-là, pour lui-même, pour ses propres missions, ils ont eu la volonté de publier un petit fichier qui doit faire une centaine de lignes avec tous les arbres remarquables à Paris, leur lieu, leur géolocalisation. Et ça fait un fichier de données qui peut être utilisé par d'autres ensuite et être enrichi, notamment pour les démarches de référencement de la faune et de la flore sur un territoire. Donc c'est très simple, vous avez plein de jeux de données qui ne sont pas forcément très volumineux, mais qui vont pouvoir servir et qui vont pouvoir être libérés. Alors après la mise en ligne, nous, ce que je peux partager avec vous, c'est notre démarche. Nous, on s'est dit, on connaît mal, on ne sait pas bien ce que finalement les gens vont vouloir utiliser et réutiliser au niveau de la démarche de libération de l'open data. Donc on va se mettre en mode expérimental et on va se mettre en mode de beaucoup écouter nos futurs utilisateurs. On s'est vraiment mis en mode open, vraiment ouvert à tous les commentaires possibles sur les jeux de données, éventuellement à toutes les propositions de jeux de données à libérer, éventuellement également le fait de voter pour des jeux de données, le fait de s'exprimer sur les jeux de données. Et donc on a beaucoup échangé, à la fois avec le grand public, à la fois avec les associations. Quand je dis beaucoup, c'est surtout que c'était très riche. C'est pas beaucoup en termes de volume. On a eu quelques centaines d'échanges globalement sur le sujet, mais qui étaient à chaque fois très constructifs et très riches, et qui ont permis à chaque fois de revoir le projet, de l'améliorer. Et je pense que dans cette démarche d'open data, il faut toujours laisser la porte ouverte, justement, à une démarche, à un échange, à une discussion avec la communauté, avec les utilisateurs, avec les réutilisateurs. Donc nous, on voudrait aller un peu plus loin bientôt, on voudrait essayer de voir un peu comment on pourrait aussi produire de la donnée avec le public, donc faire du crowd, ce qu'on appelle le crowdsourcing, c'est-à-dire en fait que la foule, puisse avec nous produire de la donnée sur tel ou tel sujet particulier. Notamment par exemple, on a un fichier de tous les produits qui peuvent être recyclés sur le territoire parisien. Et pour un même produit, on a souvent différentes dénominations. Une boîte à camembert, ça peut être une boîte en bois, ça peut être une boîte à fromage, ça peut être... Et donc, dans notre fichier, on a différentes dénominations pour une boîte à camembert, une boîte de camembert, pardon. Et donc, du coup, ce qu'on voudrait faire, ce serait que chacun propose sa dénomination de ce produit-là. Ce qui fait qu'ensuite, cette liste est très enrichie. Et quand on produit un service pour savoir comment recycler par exemple un produit, on puisse tout de suite tomber sur la bonne dénomination. Ça s'appelle du crowdsourcing. On ne va pas nous essayer d'arriver à faire le fichier le plus exhaustif du monde, on n'y arrivera pas. Par contre, on va proposer à d'autres de participer à cette démarche. Donc c'est aussi pour vous dire que l'open data, c'est aussi un des piliers, mais qui peut ouvrir vers d'autres pratiques avec le public en open innovation et en partage et en co-création. On a un petit bilan, je vais passer rapidement parce que c'est pas du tout l'idée de se dire que c'est un grand succès. On a quelques chiffres très encourageants tout de même. On a déjà 41 jeux de données en ligne. On passe dans une phase, on va dire, d'industrialisation de la mise en ligne des jeux de données. Et je pense qu'à la fin du premier semestre 2012, on aura plus que doublé ces jeux de données en ligne. On a déjà eu plus de 40 000 téléchargements de jeux de données, donc ce qui veut dire qu'il y a des gens qui s'intéressent vraiment à voir ce qu'on a voulu mettre en ligne.
et qui l'ont réutilisé, soit de manière privée, hein, on ne sait pas qui l'ont réutilisé, qui l'ont utilisé, soit de manière publique. On a eu 12 réutilisations publiques avec des services web, avec des services mobiles. Et donc, on a un peu, avec Rennes, qui a été le premier, et avant nous, Brest, qui a été encore plus pionnier dans la démarche, je pense qu'on a été source d'inspiration. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun des projets Open Data, chaque fois qu'il ouvre, il est meilleur que le précédent, et parce qu'ils ont pu observer, on a pu partager les bonnes pratiques. Donc c'est aussi ça notre grand bilan, c'est de pouvoir participer à la chaîne des ouvertures Open Data. Et encore une fois, on a voulu vraiment que ce projet soit basé sur l'échange avec les visiteurs et les réutilisateurs. Donc voilà les différents services, les différentes réutilisations qui ont été mises en œuvre, donc les différentes URL vers ces services. Souvent très intéressant, les services de l'état civil ont redécouvert leur matière. Ils ont libéré un fichier CSV d'état civil de création d'actes et MapEyes, par des data visualisations plutôt sexy, on peut le dire, plutôt sympathiques, a réussi à en faire quelque chose de très pédagogique qui a permis de redécouvrir finalement la matière. Une matière qui paraît un peu terne au départ, l'état civil, et qui en a fait quelque chose de plus pédagogique. Donc même des matières, même des données qui vous semblent plutôt austères, peuvent avoir une seconde vie avec l'open data et avec des data visualisations. Donc un petit retour, on a bien sûr animé cette démarche, on a eu des retours nombreux avec la communauté. Ils ont été très faciles à gérer, ces retours. Ils ont été souvent très riches pour le projet. Ils ont permis d'enrichir souvent le projet rapidement. On s'est aussi aperçu que notre démarche un peu rapide au départ nécessite maintenant d'être plus structurée, mais on l'a fait dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'après une première victoire de mise en ligne, on est en train de structurer notre réseau de producteurs de données et de publications de données, pour justement arriver à des volumes plus importants, et que la démarche, elle entre dans l'organisation, elle entre dans l'entité. Encore une fois, je vous donne l'exemple d'un service qui a une mission aujourd'hui, et qui va réaliser sa mission, qui va être de référencer par exemple tous les jardins partagés sur Paris, et dans sa démarche, qui va avoir au coin de la tête la possibilité, en fin de démarche, de publier un fichier open data sur ces jardins partagés. Donc ça se met complètement dans les processus de mission et de gestion des services. Et c'est là où l'open data devient intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas un surplus de travail, c'est une finalité au travail que de libérer cette donnée. On a aussi beaucoup réfléchi sur la mise à disposition des données, non pas en fichier, tout simplement, mais en version un peu plus dynamique, ce qu'on appelle des API, des web services, ce qui permet à des réutilisateurs de venir interroger de manière dynamique, de venir requêter les données. Donc c'est la démarche API. On est aussi en train d'y réfléchir et on pourra également partager sur ce sujet-là avec tout le monde plus tard. Sur l'API et le web sémantique. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la démarche Open Data, elle est à la portée de toutes les entités publiques. On a tous des jeux de données dans nos placards. On a tous forcément l'impression qu'ils sont intéressants que pour nous, ce qui est faux. Et il faut justement les publier, participer à la dynamique sur les territoires, pour faire en sorte que ce pilier de l'open innovation donne de la matière à l'open innovation. L'open innovation, la co-construction, la co-innovation, tout ce que vous avez vu cette matinée, n'est valable que si on a des choses à partager. Et la première chose facile à partager, c'est la donnée publique. Et donc, c'est comme vous l'avez vu, c'est assez simple finalement de libérer cette donnée-là et de commencer à travailler en discussion et en échange avec nos publics, et avec des réutilisateurs qui vont enrichir en plus nos missions et notre gestion de la donnée. Voilà, merci beaucoup, et puis rendez-vous sur opendata.paris.fr ou sur Twitter, Open Data Paris.